Bonjour. Bien, tout le monde est arrivé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans le cadre de ce webinaire sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique. Ce webinaire est co-organisé par le groupe de la gauche au Parlement européen, par le groupe des Verts au Parlement européen, ainsi que par le Transnational Institute et par l'ONG PowerShift. Alors, je voulais signaler avant de commencer qu'une interprétation est disponible en français, en anglais, en espagnol et en allemand. Je vais répéter la même chose en anglais. Today's webinar is being live interpreted into Spanish, German, French and English. You should see the button Interpretation in the menu at the bottom of your Zoom window and you can choose your language there. Lo voy a decir en español también. Este seminario cuenta con interpretación en inglés y castellano. Pueden acceder a la interpretación en el botón que se encuentra en la barra de herramientas en la parte de abajo de la pantalla del Zoom. Je repasse au français. Malheureusement, je ne peux pas le dire en allemand, mais je profite pour remercier les interprètes qui vont nous permettre d'avoir ce séminaire dans une interprétation dans toutes les langues que je viens de donner. Alors, je voulais d'abord remercier évidemment les différents participants et je me réjouis qu'il y ait à la fois des intervenants mexicains et des intervenants européens. C'était très important pour nous, dans le cadre de ce webinaire, d'avoir le point de vue des acteurs des deux côtés de l'Atlantique. Vous savez, ces dernières années, on a beaucoup entendu parler d'un autre accord de libre-échange, du TAFTA, un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. On a entendu parler également en ces derniers temps de l'accord avec le Mercosur. Ces différents traités de libre-échange ont toujours une même logique qui s'applique. Dérégulation, privatisation et concurrence. Pour faire simple, on fait tomber les barrières qui protègent les petits producteurs, le droit du travail, l'environnement ou encore les services publics, et on déroule le tapis rouge aux transnationales. L'accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, il n'est pas encore aussi connu que le TAFTA ou que le Mercosur, mais ça ne saurait tarder, nous l'espérons, parce qu'il n'en est pas moins dangereux. Cet accord, il suit la même logique que les autres accords, et c'est ce que nous allons justement voir lors de ce webinaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce nouvel accord, car un certain nombre d'intervenants qui sont présents à ce webinaire le feront bien mieux que moi, mais je voulais insister sur deux points. Le premier, c'est les désastres causés au Mexique par l'accord déjà existant. Et le deuxième point, c'est l'introduction avec ce nouvel accord d'un chapitre sur la protection des investissements. Concernant le premier point, les désastres causés au Mexique par cet accord de libre-échange, je me suis rendue en décembre 2019 au Mexique, dans le cadre du Toxi Tour, qui était organisé notamment par Monica et le Transnational Institute, et dans le cadre d'une caravane qui réunissait associations, ONG, élus, et qui a sillonné plusieurs zones industrielles. Et dans ces zones, les transnationales, dont plusieurs transnationales européennes et françaises, Saint-Gobain par exemple, bénéficient littéralement du droit d'empoisonner les rivières, l'air et le sol et de mettre gravement en danger la santé des populations qui habitent dans ces zones. L'implantation des transnationales et l'impunité dont elles bénéficient, ça a été permis justement par le traité de libre-échange existant et qui va être ce traité de libre-échange qui existe déjà depuis 2000 entre l'Union européenne et le Mexique, réactualisé dans le cadre de ce nouveau traité de libre-échange. Et ce n'est pas l'accord soi-disant modernisé qui va arranger les désastres qui sont causés actuellement et que nous avons constatés lors du Toxi Tour, car, et là j'en viens au deuxième point sur lequel je voulais m'attarder lors de cette introduction, le Mexique sera le premier pays d'Amérique latine à signer un accord de libre-échange qui contient un chapitre sur la protection des investisseurs. Ce chapitre, il permet aux transnationales d'attaquer les États devant les tribunaux d'arbitrage privés. Je prendrai un exemple qui a eu lieu en Argentine. Un tribunal arbitral international a condamné en 2015 l'Argentine à indemniser l'entreprise Suez
à hauteur de 380 millions d'euros suite à l'annulation d'un contrat de privatisation d'eau. Autrement dit, des millions d'euros pour les multinationales, pour les transnationales, plutôt que la gestion publique de l'eau. Et on s'imagine très bien comment, donc si cet accord, cette nouvelle version d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique est validé, avec ce chapitre sur la protection des investisseurs, si c'est validé demain, l'État mexicain pourrait être condamné à payer une amende à partir du moment où il s'oppose aux désastres qui sont mis en place par les transnationales que nous avons constatées lors du Toxitour de décembre 2019. Je ne vais pas m'étendre plus. Je voudrais, dans un dernier mot, remercier Monica Vargas. Un grand merci à Monica Vargas du Transnational Institute pour le gros travail fourni et qui a rendu possible ce webinaire. Je voulais vous dire aussi que ce webinaire, il est organisé d'abord avec deux présentations principales d'une dizaine de minutes chacune. D'abord celle de Bettina Muller et ensuite celle du docteur Refugio Choreño Gomez. Ensuite, ces deux présentations seront suivies de commentaires par des acteurs politiques et d'ONG du Mexique et d'Europe. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a un chat dans ce Zoom qui est disponible pour toutes et tous. Et n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions, vos commentaires. Il y aura un temps de discussion qui sera prévu à la fin de ce webinaire en espérant que nous ayons le temps et nous devons finir à 18h. Je ne vais pas être plus longue. Je passe la parole à ma collègue Diana Riba qui est eurodéputée du groupe Les Verts et qui co-organise ce webinaire avec moi. À toi Diana. Hola. Bonjour, merci beaucoup, merci à Leïla de me passer la parole. C'est un plaisir d'être avec vous pour parler de ce thème qui nous intéresse tant au Parlement européen. Tout d'abord, merci à Leïla, merci également au Transnational Institute pour organiser cet événement et m'inviter comme co-organisatrice. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin pour raisons personnelles. Mais je suivrai attentivement le début de ce webinaire. Je voudrais remercier les ONG, les députés et le public qui nous suit des deux côtés de l'Atlantique. Avant de passer la parole à Bettina Muller du Transnational Institute pour qu'elle nous présente l'accord, je vais faire quelques commentaires en tant que députée du Parlement européen. Premièrement, la modernisation de l'accord consolide et approfondit le pouvoir des grands acteurs économiques, dont certains européens, sur l'économie du Mexique. L'État mexicain prend le risque de perdre le contrôle des mécanismes qui permettent de combattre l'évasion fiscale, autant pour les entreprises européennes que mexicaines. Deuxièmement, nous pensons que le chapitre sur l'anticorruption est très faible. Il ne fait que rappeler les conventions internationales, alors qu'une fois signées, ces conventions n'ont pas besoin d'être de nouveau validées, mais plutôt d'être appliquées. Troisièmement, je voudrais souligner l'impunité généralisée au Mexique, la criminalisation récurrente, les disparitions et assassinats de citoyens qui révèlent des cas d'abus de pouvoir ou qui protestent contre des grands projets, notamment des journalistes ou défenseurs de l'environnement indigène. Toutes ces violations n'ont pas été suffisantes pour activer la clause de droits humains que contient l'accord actuel. Et très nombreux féminicides n'ont pas non plus été suffisants. Je voudrais rappeler que selon Amnesty International, en 2020, 3700 assassinats de femmes ont été enregistrés, dont 900 comme des cas de féminicide. Il est évident que la clause démocratique, telle qu'elle a été conçue, ne sert à rien pour le moment. Enfin, l'ouverture des marchés publics est préoccupante. L'État mexicain peut perdre son autonomie face aux intérêts des grands groupes économiques et financiers. En résumé, le nouvel accord n'offre pas de garantie ni de protection pour la population. Je suis convaincue que le dialogue que nous aurons aujourd'hui entre les organisations de la société civile, les élus des deux côtés de l'Atlantique sera intéressant. Aujourd'hui, nous créons un espace qui nous permettra d'abord de faire ce diagnostic commun de l'accord UE-Mexique et deuxièmement, mettre ensemble les voix critiques contre l'accord.
Merci beaucoup à toutes et tous et je passe la parole à Bettina Muller. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Le restant, vous m'entendez? Oui. Alberto, c'est toi alors. Ok. Donc, la difficile tâche que j'ai aujourd'hui, c'est... Quelqu'un peut dire à Alberto que le reste m'entend? Monica, tu lui écris? Ok. Bon, je commence. J'espère que je ne serai pas interrompue. C'est une tâche difficile de résumer l'accord entre l'Union européenne et le Mexique en quelques mots. Les députés ont déjà fait quelques commentaires que nous allons confirmer avec cette présentation. La question, c'est de savoir si l'accord entre l'Union européenne et le Mexique aborde les défis du XXIe siècle ou si c'est un accord du siècle passé. Pour que tout le monde ait la même information, il existe déjà un accord global entre l'Union européenne et le Mexique depuis l'année 2000. Il a une partie commerciale et un accord sur le dialogue politique et la coopération qui inclut la cause de droits humains. De ce que l'on a compris, cette dernière partie n'a pas été modifiée. Par contre, la partie commerciale a été adaptée. C'est la partie commerciale de l'accord qui a été révisée. Politique en 2018. En 2016, il y a eu un accord politique en 2018. Et tout à l'heure, il y a donc un examen juridique formel qui est en train de se faire. Et ce, afin de pouvoir commencer le processus de ratification qui devrait commencer en novembre 2021, donc dans quelques mois. Avec une ratification de la part du Conseil européen. Donc, quelles sont les nouveautés de cet accord? Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Donc, c'est la réduction sur des produits agricoles, les réductions d'impôts, une introduction d'un chapitre d'investissement, une ouverture également, une ouverture du marché et du contrat public, et on parle du marché mexicain, et un chapitre sur la durabilité et un chapitre sur l'anticorruption. Je ne vais pas en parler trop de ce dernier chapitre. En ce qui concerne le secteur agricole, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, en général, il va y avoir une libéralisation, le 99% de tous les produits commerciaux, donc il n'y aura plus d'impôts. Agricoles. Pero a nivel agricola, mais au niveau agricole, en revanche, surtout en ce qui concerne le Mexique, la réduction implique des pertes de revenus pour les Mexicains. Parce qu'on peut observer que jusqu'à présent, sur de la viande animale, par exemple, les agriculteurs au Mexique sont parfois protégés. Mais avec cette modernisation, telle qu'on disait, ceci disparaît. Donc, voici les données officielles de l'étude d'impact qui a été réalisée par la Commission européenne. Et dans cette étude, on dit qu'il y aura bien sûr une augmentation des exports agricoles. Mais l'Union européenne va exporter jusqu'à un 75% en plus. Alors pour le Mexique, ça sera une augmentation du 32,5%. En ce qui concerne également ce qui va être donc échangé, il s'agit de produits qui produisent de tous les côtés, des deux côtés en règle générale. Quelle évaluation nous faisons
de cette réduction, disons, et que d'un côté, ceci va générer beaucoup de pertes, surtout pour l'État mexicain. Del presupuesto, no? Donc le budget, on parle donc d'une étude d'impact de 100 millions d'euros. De plus, il y a ce qu'on appelle donc un commerce redondant, donc des échanges de produits qui se produisent en fait aussi bien en Europe qu'au Mexique. Et pourtant, ceci affecte la production locale et également le changement climatique. En plus, il y aura une perte d'emploi et surtout dans le secteur du lait et l'industrie chimique au Mexique. Et en Europe, ça sera des pertes d'emplois en ce qui concerne la production de machines et l'industrie également de manufacture. Il y a également ici, c'est la première fois que le Mexique permet que des entreprises étrangères puissent avoir accès à des contrats publics. Donc plus du 20% du budget étatique mexicain est dédié à des achats gouvernementaux, ce qui apporte donc un seuil du coût de projet bas pour les revenus des entreprises étrangères. Está muy bajo, ¿no? Entonces, empresas, donc, ici, le seuil est très bas. L'Union européenne peut faire des appels d'offres pour des œuvres de construction et des infrastructures, pour des médicaments et du matériel médical, pour des matériaux éducatifs, des cafétérias, de même que l'approvisionnement en eau, en énergie, en gaz. Et tout ceci dans le cadre d'une pandémie, en plus, qu'il ne faut pas oublier. Il faut renforcer les capacités locales, étatiques pour le propre marché. Et aussi important de savoir que cette ouverture produit également le fait que les secteurs couverts génèrent le 64% du PNB mexicain. Et ceci pour avoir comme conséquence également une baisse des revenus des Mexicains. Alisha a parlé du chapitre dédié à la protection des inversions, des investissements. C'est le premier accord avec un pays de l'Amérique latine et du Caraïbes qui inclut un chapitre dédié à la protection des investissements. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Pas avec un pays, en tout cas, de l'Amérique latine et du Caraïbes. Donc comment est la situation actuelle en ce qui concerne la protection des investissements entre le Mexique et l'Union européenne? Il y a 15 traités bilatéraux d'investissement actuellement qui permet donc le fait qu'il y ait donc des demandes, 9 demandes de la part d'investisseurs européens et 2 demandes de la part d'investisseurs mexicains. Ces demandes se réalisent devant les tribunaux d'arbitrage internationaux. El CIALI de la Banque mondiale est le plus connu de ces tribunaux d'arbitrage internationaux. En ce qui concerne la protection des investissements entre le Mexique et l'Union européenne, il y a des investisseurs de 12 pays européens en plus qui reçoivent donc le droit à demander. De plus, il est beaucoup plus facile de finir de façon littérale un type d'accord de ce type. Donc, toutes les injustices, par exemple, qu'il y avait, sont prolongées. Ici, on parle également de la souveraineté de l'État sur le peuple. Le Mexique a déjà 35 demandes. Et c'est donc un des 6 pays au niveau mondial qui a le plus de requêtes de ce type. Donc, avec cet accord, ceci pourrait donc être davantage multiplié.
Et le système également de cours d'investissement qui pourrait être une réforme du système d'arbitrage actuel. Ceci pourrait également déséquilibrer encore plus les équilibres fragiles qu'il y a là. Ceci signifie que tous les investisseurs pourraient avoir accès à ce type de système. De plus, il y a une affectation des droits humains. Il n'aurait pas d'accès privilégié dans ce cas-là. Et pour terminer, presque, je voulais dire deux paroles sur le chapitre relatif à la durabilité et sur la clause dédiée aux droits de l'homme. Donc avec le nouveau contrat, il y a, tel que je le disais, un chapitre sur la durabilité et une clause sur les droits de l'homme. Il y a les normes, par exemple, de l'OIT, les accords relatifs à l'environnement unilatéraux, un accord climatique de Paris. Ce chapitre ne met pas en œuvre un processus de solution de controversie État-État. Il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect. D'un autre côté, on sait à quel point la situation est désastreuse au Mexique en ce qui concerne les droits de l'homme. Et on sait que le président Calderón avait déclaré la guerre contre les cartels de la drogue par des moyens militaires. Ceci était en 2006. Et 90% des délits restent impunis. Donc cette clause dédiée aux droits de l'homme est quelque chose de nouveau. Il y a des violations continues de la part de l'État des droits de l'homme. Ceci n'avait jamais figuré dans l'accord préalable. Ce qui nous choque, c'est qu'il n'y a aucune sanction en cas de non-conformité en ce qui concerne le chapitre dédié à la durabilité. D'un autre côté, jamais fut appliquée la clause relative aux droits de l'homme, bien qu'elle figure dans l'accord. Elle figurait même dans l'accord antérieur. Donc pour nous, c'est juste une façade pour cacher les véritables intentions et intérêts, surtout les intérêts d'ordre économique qui se trouvent derrière cet accord. Pour terminer, je voulais vous dire que la société civile ne veut pas que cet accord soit ratifié, pas en tout cas tel qu'il est écrit. Il s'agit d'un accord qui nous retarde et ce dont nous avons besoin, il faut qu'on en arrête avec les privilèges de certains, les privilèges des entreprises, et il faut mettre d'abord le peuple au centre, les droits humains, entre autres la nature, l'environnement, etc., etc. Cet accord fait tout sauf ceci pour l'instant. Donc, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, mais j'avais peu de temps à disposition. Merci beaucoup, Bettina Müller. Je vais passer la parole pour une dizaine de minutes à nouveau à Refugio Choreño Gomez de la Fundación para el Desarrollo Integral Apatzlán. Pardon pour la prononciation. Buenos días, México. Buenos días, Europa. Bonjour, Mexique. Bonjour, Europe. En 2019, a été réalisée la caravane qui était donc formée
C'était une caravane sur les impacts sociaux et sur l'environnement de la part des entreprises transnationales et le libre commerce en Mexique. Il s'agissait de sensibiliser du fait que les transnationales profitaient trop des accords de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne. De plus, les liens entre la société et les environnements de différentes régions de nos services, de nos régions en Amérique latine, nous sommes unis avec l'Europe. Se recorrieron seis regiones. Six régions ont été parcourues. C'était des régions qui avaient beaucoup d'impact sur l'environnement et la santé. Donc, c'était des zones qui avaient vraiment besoin d'activités urgentes. C'est la région sud de Puebla et Veracruz, entre autres. La région comprend la partie sud de la vallée de Mezquital, de l'État d'Hidalgo, et également 12 communes. Dans cette région, on trouve les principales sources polluantes au niveau mondial, telles que la raffinerie, l'industrie de l'électricité, entre autres, et du ciment également. Nous, il y a par exemple 7 entreprises qui s'occupent du ciment dans la région, donc 220 industries en tout. Les contaminants sont ceux-ci, principalement des dioxydes de carbone, du dioxyde d'azote, de l'ammoniac également, des composés organiques volatiles, des métaux lourds, du méthane, entre autres. D'autres polluants dans notre région sont les eaux en fait usées et les eaux industrielles à travers le Grand Canal, le Rio Salado, le tunnel d'émission de l'Orient, des mêmes que le Rio Tula. Ainsi, ces cours d'eau sont particulièrement donc pollués. Le Rio Tula est l'un des cours d'eau le plus pollué du pays. 4 890 240 litres d'eau arrivent chaque jour, lesquels sont utilisés pour 90 000 hectares, principalement pour cultiver le maïs et les légumes, entre autres. Notre région est considérée comme la deuxième du monde pour avoir le plus d'eau usée. La deuxième région du monde où l'utilisation des eaux usées pour le secteur agricole est la plus élevée. Il s'agit du plus grand égout du pays en raison de la quantité d'eau non traitée qu'il reçoit. Une autre source de pollution est la Presa Endro qui compte 182 millions de mètres cube en tant que capacité avec 21 localités riveraines, avec une population affectée de plus de 61 000 de personnes. Il y a 3 puits qui alimentent la population, de même que la peste par le moustique Culex. Des maladies rénales, chroniques, du cancer et des maladies de la peau peuvent en découler. La capacité de traitement du ptar est de 35 à 50 mètres cubes. Ceci est ensuite apporté à des fours d'entreprises cémentières. Un problème important dans notre région sont l'exploitation, par exemple, minière à ciel ouvert. D'autres sources polluantes sont les produits agrochimiques, tout ce qui est transgénique et la construction de l'aéroport de Santa Lucia, où on a l'intention d'apporter 12 millions de litres par jour pour l'exploitation de la maintenance. Et un autre problème important que ceci va nous générer sont les déchets de cette zone, parce qu'il y a
ou plutôt on avait l'intention d'emmener ces déchets à des entreprises cémentières dans notre pays. Il existe 35 entreprises du ciment, desquelles ont elles-mêmes 7 entreprises. Ceci, Holcim Mexico, est la plus importante aujourd'hui car elle a énormément d'usines autour de 90 pays différents. Au début, on avait donc utilisé du pétrole, des carburants, des gaz. Et à partir de l'année des 90, on a utilisé des combustibles dérivés de déchets et une biomasse, de même que des résidus solides municipaux dès 2011. On avait également un problème de poussière qui était dû à l'utilisation de combustibles, par exemple, de traitement des combustibles résiduaires provoquait beaucoup de poussière volatile. Important également de dire que ces poussières vont créer des dioxines, des furanes, des biphényles polychlorés, des métaux lourds tels que le mercure, plomb, l'arsenic, du chrome, du cadmium, entre autres. L'entreprise qui s'occupe des polluants, en fait de recycler les polluants de l'industrie cémentière, prépare 140 000 tonnes de 2003 à 2017. Et à partir de 2018, on a eu encore plus, une augmentation puisqu'on est arrivé à 127 000 tonnes de résidus dangereux. Au niveau international, le docteur Paul Connett, lors d'une présentation pour parler des résidus polluants, il avait dit que ceci était un gros problème pour l'environnement. Et en ce qui concerne les urgences chimiques, on a également Ecoltech, qui est une filiale de la société Lafarge-Holcim. On a eu un incendie en 4 mai 2005 qui en a découlé dans les zones des palettes. Et en 6 septembre 2007, il y a eu un incendie d'un conteneur contenant 20 millilitres de déchets dangereux. Mais quelque chose de plus important est que le 21 mars 2009, 11 paysans sont morts. Entre le 5 et le 6 mai 2009, il y a eu le rejet exagéré d'acrylate dans l'environnement et un mouvement en faveur de l'environnement s'est développé et s'est fait entendre. Il y a des mouvements donc pro-l'environnement importants. Les plus importants sont Pro-Salut, Apachco, Atolonico. Des installations, il y a eu, à cause de ces urgences chimiques, des intoxications aiguës entre 305 personnes, parmi lesquelles 262, c'est-à-dire le 86%, ont présenté des manifestations d'intoxication aiguë. Le 14% était asymptomatique et 14 personnes, c'est-à-dire un 4%, avaient montré des signes d'intoxication sévère. Après, il y a une étude en ce qui concerne la neutoxicité sur 35 avants âgés de 8 à 11 ans, parmi lesquels la mémoire avait été affectée à 100% et 69% d'entre elles étaient sévères. En ce qui concerne l'attention, dans 46% des affections étaient présentées. Une autre urgence chimique qui s'est passée dans cette région a été le 7 avril 2013 dans une entreprise. Il y a eu un incendie et une explosion. Le nuage toxique qui a été provoqué a provoqué l'empoisonnement d'environ 40 000 habitants de plusieurs quartiers voisins. Il y a des études, mais on ne parle pas assez souvent de l'impact qu'il y a sur la santé en utilisant des combustibles qui sont polluants. Ainsi, en 2015, des chercheurs ont présenté un document
une étude sur la mortalité qui montrait que 3 types de cancers dans un rayon de 5 km des cimenteries, les résultats étaient une surmortalité de tous les types de cancers et d'une mortalité accrue du cancer du côlon rectal dans les deux genres, dans la population vivant jusqu'à 50 km de là. De plus, l'analyse du ciment fabriqué à partir de RDF permet de conclure qu'il est contaminé et qu'il n'existe aucune réglementation sur le niveau des contaminants. Par conséquent, les consommateurs ne sont pas informés, ne sont pas protégés des conséquences du rejet de dioxine, du furane, de métaux lourds et d'autres polluants sur la santé et l'environnement. En 2010, l'Université d'Argentine a présenté une étude sur l'émission de dioxyde Olcimineti provenant d'une entreprise qui s'appelait donc Olcimineti, une usine du Nord Yongsing. Et en 2019, il y a eu 0,152 de dioxine. Alors, ce qui est recommandé par l'agence des États-Unis serait de 0,1. Il est important de voir ça pour démontrer que dans notre région, il y a 7 entreprises qui s'occupent de ciment. Et je voudrais savoir quelle quantité de dioxine nous avons dans notre région qui peuvent impacter notre santé et notre environnement, c'est-à-dire la nature. En ce qui concerne les atteintes à la santé, en ce qui concerne les problèmes aigus, on peut considérer les infections respiratoires, les bronchites, une irritation du pharynx, irritation des yeux, des maux de tête, irritabilité, une grosse fatigue, des vertiges, des nausées, perte de conscience et dans les cas extrêmes, il y a également des cas de décès. En ce qui concerne les dommages chroniques pour la santé, on peut considérer toxiques avec des altérations dans la mémoire, par exemple, dans l'attention, et surtout des affectations de malformations mutagéniques et également cancérogènes. Ceci est 3 ou 4 fois plus fréquent que la moyenne nationale. Dans notre région également, il y a des infections dues au COVID-19 qu'il ne faut pas ignorer. Il y a une grande augmentation du nombre de cas dans la région. La contamination environnementale est plus élevée. Il y a eu des études qui ont été faites aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qui l'ont donc confirmé. Par exemple, sur les 125 municipalités de l'État de Mexico, Apaxco a le taux de létalité le plus élevé. Bien, donc dans notre pays, les autorités, les gouvernements, ils ne s'intéressent pas de ce qui se passe chez nous, ils ne s'intéressent pas de notre santé, puisqu'il y a eu un forum dédié à un parlement ouvert pour une réforme législative dans le domaine de la cotraitance en octobre 2020, où il y a eu des représentants de la Chambre nationale du ciment, par exemple, d'autres représentants de la part d'entreprises polluantes. Et sur, il y a également des personnes qui étaient contre l'incinération. Et le docteur Carlos Arribas et le docteur Montenegro ont été invités pour lutter contre justement la propension de ces entreprises qui produisent du ciment. Les chercheurs nous ont présenté des études qui ont été impactantes en décembre 2020. Le Sénat des députés a approuvé alors cette initiative, parmi laquelle qui consistait à modifier certains des articles pour la prévention des résidus. C'est là qu'il a été décidé que cette initiative n'ait plus d'impact sur notre santé et sur notre environnement. Aujourd'hui, les autorités sont responsables de l'éco
de toute la détérioration de l'environnement. Il a été donc décrété qu'il ne fallait plus utiliser des poussières. Il a été parlé de tous les impacts qui proviennent des industries de ciment, entre autres sociétés polluantes. Bien. Je suis un rêveur et je crois encore qu'on peut faire quelque chose à travers l'organisation sociale. Je voudrais vous présenter une phrase d'Eduardo Galeano, un philosophe uruguayen. Il dit que beaucoup de petites personnes dans des endroits petits font des petites choses, mais peuvent néanmoins changer le monde. Merci. Eh bien, merci. Merci beaucoup au docteur Refugio Chorreño Gomez pour ce témoignage, cette intervention qui nous montre de façon très concrète les impacts de cet accord de libre-échange sur l'environnement et puis sur la santé surtout, de façon très 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 concrète. Merci pour ce témoignage. Moi, ça m'a rappelé, évidemment, c'est des endroits qu'on avait visités avec le Toxitour en décembre 2019. Donc, ça a fait quelque chose de revoir ces images. Et je vous dis que quand, en plus, on rencontre les gens qui sont directement touchés, eux ou leur famille, par ces conséquences, par ces problèmes de santé dû à ces entreprises européennes ou françaises, ça vous donne encore plus la volonté de combattre les accords de libre-échange et puis cette nouvelle version de l'accord de libre-échange avec le Mexique. Bon, je vais passer maintenant, on va passer à la deuxième phase de ce webinaire. On a eu donc deux interventions qui nous ont présenté donc les enjeux. On va passer à une deuxième phase où des acteurs politiques, d'ONG, vont faire des commentaires alors assez courts pour 2 minutes chacun en réaction à ce qu'on a entendu dans ces deux présentations générales. On va commencer alors par quelqu'un qui ne pourra pas être là physiquement, mais c'est Monica qui va lire une intervention qu'elle a transmise. C'est une sénatrice mexicaine, la senadora Maria Merced González. Monica, je te laisse la parole pour lire le message que t'a transmis Madame la sénatrice. Bon après-midi ou bonjour, je vais lire le communiqué de la sénatrice Maria Merced González. Elle vient de Mexique et elle nous demande pardon pour ne pas pouvoir participer à la réunion d'aujourd'hui. Je vais donc lire ce qu'elle nous a transmis. C'est avec grand plaisir que je salue chacun des participants à ce séminaire virtuel. J'apprécie beaucoup l'invitation. Elle représente une grande opportunité de rechercher des propositions pour le bénéfice de notre environnement. Le nouvel accord entre le Mexique et l'Union européenne doit être plus approfondi en ce qui concerne la durabilité, c'est-à-dire l'équilibre entre l'activité humaine et l'utilisation des ressources naturelles. Car en effet, il existe des zones d'urgence environnementale et sanitaire qui nécessitent une attention toute particulière. On peut en trouver un exemple dans la vallée de Mexical, dans l'état d'Hidalgo, au Mexique. Cette zone industrielle a été touchée par la pollution, elle a été aggravée par l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone, entre autres polluants. Les dégâts causés par la pollution atmosphérique dans la région de Depéri, Tula, Apaxco sont réels, elles sont palpables, et c'est pourquoi elle a été considérée par les Nations Unies comme la région la plus polluée du monde. Dans le cas particulier de la zone de Tula, elle a été visitée en 2019 par des parlementaires européens dans le cadre de ce que l'on appelle le Toxitour. Durant le Toxitour, ils se sont engagés à dénoncer dans leur pays des entreprises qui ont causé une grave détérioration de l'environnement, de même que des dommages à la santé des habitants en raison de l'émission de polluants. Un autre témoignage se trouve à Huichapan, également dans l'état d'Hidalgo, où des écologistes d'organisations internationales ont mis en garde contre l'augmentation des cas de cancer et de maladies bronchopulmonaires et rénales, de même que des affectations des systèmes nerveux et endocriniens, etc., vérifiés tous de la contamination générée par la cimenterie Cemex, qui recourt dans son processus de production à la pratique nocive du co-traitement, transformant les communautés voisines en zones sacrifiées. Pour les raisons susmentionnées, je mentionne qu'aujourd'hui plus que jamais,
il est nécessaire de répondre à travers une réglementation stricte qui permette des changements structurels. En guise de proposition, je considère qu'il est pertinent de renforcer les restrictions à l'exploitation massive des ressources et de permettre l'interdiction de toutes les activités qui génèrent des dommages irréversibles à notre environnement. Je propose également de considérer dans l'accord un axe plutôt éducatif avec une perspective environnementale dans lequel les enfants, les adolescents et les étudiants universitaires tant du Mexique que de l'Union européenne soient inclus dans des forums d'idées et de dialogue, et ce afin de motiver l'échange de propositions avec une vision, mais surtout de promouvoir la sensibilisation à la protection de l'environnement pour améliorer la qualité de vie de millions de personnes. L'air n'a pas de frontières. L'humanité a besoin d'un environnement sain et la Terre-mère exige que nous la respections, que nous en prenions soin et surtout que nous la considérions comme notre unique foyer. Parce que la Terre n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt de nos enfants. Donc, battons-nous pour préserver le trésor que nous avons à leur donner. Merci. Merci pour ce message de la sénatrice Maria Merced González. Je passe maintenant la parole à une collègue eurodéputée, Sarah Mathieu, du groupe des Verts, qui est députée belge. Hi everyone. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez bien? Très bien. Parfait. Tout d'abord, je voudrais féliciter PowerShift pour son travail. Je pense qu'il faut vraiment s'armer face aux défis que représente cet accord et aux dangers que pose sa ratification. Il nous faut des accords qui soient durables, qui soutiennent, qui soient durables et qui donc viennent en aide aux populations locales. Il nous faut également un accord qui soit contraignant pour toutes les parties. Il faut que toutes les parties respectent les mêmes engagements. Il doit également avoir une interdiction d'importation avec des traces de substances nocives dans la nourriture et les produits alimentaires. Il nous faut des mesures qui respectent les travailleurs et les règles de protection de la nature. L'Union européenne a bien sûr une responsabilité en ce sens qu'elle doit soutenir le Mexique dans sa transition. Il nous faut également définir des étapes clés et un calendrier précis et bien préciser comment nous allons aider financièrement ces adaptations. Il nous faut également définir un cadre pour l'échange de meilleures pratiques et on ne doit pas non plus développer et créer un précédent pour ce qui est du système de protection des investisseurs. Il nous faut donc nous pencher sur cette question, tout particulièrement. Merci beaucoup, Madame Mathieu, pour cette intervention et pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Je passe maintenant la parole à Christina Faciaben, qui est secrétaire confédérale à la coopération internationale, à Comisiones Obrera, qui est un syndicat espagnol. Muchas gracias. Pues desde Comisiones. Merci beaucoup. Nous allons nous centrer uniquement sur les impacts négatifs sur les droits du travail, par exemple, qui nous appellent à dire non à la ratification du nouvel accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne. Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas des compromis qui soient importants pour respecter les normes internationales du travail, qui va au-delà de l'inclusion dans son chapitre dédié au développement durable.
De plus, il n'y a aucune garantie, aucun respect des droits humains, de même que de l'environnement. De plus, aucun rôle n'est donné aux syndicats pour garantir le respect des compromis avec les normes du travail international qui sont fondamentales. De plus, il n'y a pas une reconnaissance de la création d'un forum de travail qui pourrait superviser la mise en œuvre de cet accord. Dans ce sens, il ne reconnaît non plus pas le rôle démocratique des entrepreneurs et des syndicats. Ils ne sont pas reconnus comme des agents importants pour le développement durable. Voilà pourquoi nous continuons à revendiquer que dans l'accord, il faut qu'il y ait un forum de travail qui soit inclus, qui puisse s'occuper de questions typiques et qu'il y ait comme ligne directrice les instruments qui existent déjà, comme la charte, par exemple, de l'Union européenne en ce qui concerne le travail. La ratification de la Convention sur le droit au syndicat, par exemple, de 1949, n'est pas inclus non plus. Il faudrait qu'il y ait également l'inclusion d'un chapitre qui soit plus dédié au travail. Ce qu'il y a pour l'instant nous semble vraiment insuffisant. Et enfin, l'analyse des effets anticipés sur le travail prévoit des effets très limitants sur des salaires, des déségalités, etc. Les réformes sont en train de créer encore plus de ceci pourrait augmenter encore plus les déségalités qu'il y a entre les certaines personnes. En ce qui concerne également, il faudrait qu'il y ait plus de politiques qui puissent donc occuper et arriver aux segments les plus vulnérables de la population, par exemple. Les coûts de plus du travail pourrait apporter l'augmentation du travail informel dans certains secteurs. Il est probable que ce processus de formalisation laborale qui est en train de se faire au Mexique pourrait avoir des effets négatifs beaucoup plus importants que ceux que seraient les effets positifs en termes de commerce. Merci. Je passe la parole maintenant à Nicolas Roux qui... j'ai un problème de... Non. Oui, je passe la parole désormais donc à Nicolas Roux qui représente les Amis de la Terre et Attac France qui va nous parler des impacts environnementaux et écologiques des accords de libre-échange. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour toutes ces interventions qui étaient très intéressantes. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cet accord, mais je vais faire très très bref. Tout d'abord, d'une manière plus générale, je pense que nous sommes en plein milieu d'une crise sanitaire qui a montré les limites de toute organisation en fait, du commerce international. Or, ce qui est un peu navrant, c'est que cet accord, finalement, ne prend pas du tout ça en compte et reste dans un modèle assez passé. Comme disait Bettina, c'est un accord d'un autre temps, symbole d'un modèle économique qui a échoué, on peut dire, et qui ne répond pas à tous les défis environnementaux et climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et il y a peut-être deux aspects, moi, qui m'intéressent particulièrement. On a beaucoup parlé de la protection des investisseurs, le système d'arbitrage qu'on appelle ISDS, avec l'acronyme anglais. Et je voudrais insister sur le fait que ce système d'ISDS vise particulièrement les protections environnementales. Quand on regarde le tribunal arbitral de la Banque mondiale, le CIRDI, presque 50% des affaires qui y sont traitées concernent les secteurs miniers et le secteur de l'extraction des combustibles fossiles qui ont un impact direct sur l'environnement et sur la crise climatique. Le Mexique, comme il a été noté, a été attaqué 35 fois et avec l'inclusion de ce chapitre dans cet accord révisé, on peut craindre que le Mexique soit attaqué de nombreuses fois supplémentaires, d'autant plus que le Mexique a été attaqué dans le cadre d'affaires qui avaient lieu aussi aux protections de l'environnement. Et un deuxième point aussi qui m'intéresse particulièrement, et je ne crois pas qu'on l'a évoqué, c'est l'accord force le Mexique à adhérer à la convention POV 91. Donc c'est une convention qui facilite la privatisation des semences et notamment mis en danger les structures des petits agriculteurs. Mais c'est aussi une convention qui renforce le pouvoir donc des fabricants de semences
et de pesticides et qui pourrait accroître encore la prédominance en fait des fabricants européens sur le marché mexicain. Aujourd'hui encore, on voit que des pesticides non autorisés en Union européenne sont exportés vers le Mexique et on peut craindre que l'accord aggrave encore plus cette tendance. On le voit déjà, hein, la société allemande Alzchem a exporté déjà plus de, je crois que c'était 700 tonnes de cyanide en 2018 et 2019, donc c'est un produit dangereux soupçonné de provoquer le cancer. Bayer et BASF, d'autres entreprises allemandes, ont un stock de 8 tonnes de pesticides non autorisés qu'ils ont aussi exportés vers le Mexique. Donc cet accord laisse beaucoup à craindre sur les répercussions sur la santé, mais aussi sur l'environnement de tous ces pesticides. Et peut-être, je veux juste conclure rapidement sur le fait qu'à notre avis, la situation est assez claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver cet accord avec un chapitre sur le développement durable ou sur la protection des travailleurs. Ce n'est pas suffisant, en fait, parce que ce n'est pas une solution dans la mesure où ces chapitres ne changent pas la nature même, en fait, de ces accords qui, comme je le disais avant, sont des accords qui symbolisent un modèle économique qui a complètement échoué. Donc, je pense que maintenant, il est temps quand même, nous avons tous les éléments en main, il est temps d'abandonner cet accord ainsi que les autres accords de libre-échange et commencer à réfléchir à un modèle alternatif pour échanger entre les peuples à travers le monde. Merci. Eh bien, merci Nicolas. Avant de passer la parole au prochain intervenant, je voudrais rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le Zoom tout en bas. Là, il y a eu un petit onglet questions-réponses. N'hésitez pas à cliquer dessus pour poser vos questions. On n'en a pas beaucoup pour l'instant, donc allez-y. Je passe la parole maintenant à Alberto Arroyo qui représente la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC. En français, la plateforme d'Amérique latine mieux sans les traités de libre-échange. Gracias. Voilà, à vous Alberto Arroyo, bueno, la parole. Merci. Yo quisiera intervenir con tres cositas. Je voudrais intervenir avec trois petites interventions très rapides. Quelque chose qui est important, je pense, il faut analyser ce qui se passe en Europe, toutes les interventions en Europe. Toutes les interventions en Amérique latine, certes, doivent être analysées, mais également ce qui se passe en Europe. Ceci nous aiderait à pouvoir avoir une analyse plus importante de la situation. Autre chose, il n'y a aucun chapitre dédié au travail, alors que ça existe dans d'autres accords, ce qui existe de façon très limitée, avec beaucoup de défauts, certes. Mais dans cet accord de quel nous parlons, l'accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, il n'y a aucun chapitre laboral, aucun chapitre dédié au travail et qui donne des obligations. Et je pense que c'est une grande honte pour l'Europe, qui est un pays qui doit être respecté. Et pourtant, c'est une grande honte, ce manque. Et tel que l'intervenant antérieur l'a dit, je pense que les accords de libre-échange ne sont pas bons par définition. Le gain, le fait de faire du profit est mis au-delà de tous les autres droits, comme les droits du travail, par exemple. Donc il faut les supprimer, à mon avis, ou arriver, dans tous les cas, à un autre type d'accord qui puisse faciliter le commerce, mais qui protège les droits humains, les droits du travail en général, de même qui protège l'environnement. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Arroyo. L'intervenant suivant s'appelle Osvaldo Villegas. C'est le coordinateur national Plan de Alaya Movimiento Nacional de Puebla, au Mexique, et donc encore une organisation qui représente les zones et les habitants qui ont subi les accords, les conséquences, donc l'implantation de ces entreprises suite aux accords de libre-échange et qui faisaient partie des communautés qui ont été visitées dans le cadre du Toxitour de décembre 2019. À vous, Monsieur Villegas.
Est-ce que Monsieur Villegas, Osvaldo Villegas, est parmi nous? Je regarde. Bon, ben sinon, on va passer, il n'y a pas de souci, on va passer à l'intervenant suivant. Puis en attendant, si Monsieur Villegas arrive, évidemment, il prendra la parole juste après. Donc, l'intervenant suivant représente Taula Per Mexique. Et il s'appelle Arturo Landeros. Il vient de Barcelone. Oui, bonjour. Bonjour, bon après-midi ou bonjour à chacun d'entre vous. Je pense qu'il faut se centrer également sur ce débat, sur l'accord, sur le fait qu'il faut centrer ces discussions sur les victimes, en fait, que cet accord est en train de causer. Lundi, un autre écologiste a été assassiné au Mexique. Et maintenant, on a 66 écologistes qui ont été assassinés jusqu'à présent. De même, d'autres écologistes sont les victimes de violences. C'est la guerre contre le narcotrafic, par exemple, parce qu'il y a des liens avec les différents niveaux gouvernementaux du Mexique. Ceci crée des grosses problématiques. Il y a des victimes qui sont donc dues à ce type d'accord de libre-échange. C'est peut-être également le projet intégral Moreno qui a causé des assassinats de personnes qui défendaient en fait les droits des personnes locales. Il faudrait donc convoquer également le gouvernement mexicain pour être impliqué dans ce modèle de développement. Il est important également de se focaliser sur les mécanismes que pourrait avoir cet accord. On voit toujours de plus de déplacés et les personnes locales en Mexique de moins en moins protégées. Il y a des personnes qui devront être déplacées de forme forcée, qui devront sortir du pays. Ceci est préoccupant. Il faudrait qu'il y ait dans cet aspect quelque chose de mieux articulé dans cet accord. Donc, je vous invite à réfléchir de plus en ce qui concerne les impacts de l'accord sur les personnes, sur les êtres humains. Voilà, rien d'autre. Merci. Merci beaucoup. Alors, une dernière tentative pour passer la parole à notre intervenant Osvaldo Villegas. Si vous êtes dans le coin, manifestez-vous. Sinon, je vous propose de redonner la parole. Donc, après toutes ces interventions qui étaient courtes, concises, mais très intéressantes et très complètes, qui toutes évoquaient un aspect différent, une dimension différente autour de cet accord entre l'Union européenne et le Mexique, un danger différent à chaque fois, je propose de redonner la parole aux intervenants. Et puis, on a reçu plusieurs questions, donc je vais vous en donner une première, je vais vous donner les deux, et puis je vous propose que chacun d'entre vous réponde aux deux, ou alors à celle à laquelle il choisit de répondre. Une première question, d'ailleurs une première qui concerne plus particulièrement Bettina. La question qui concerne Bettina, alors elle s'écrit en espagnol, alors laissez-moi la traduire en français. Si nous signons cet accord, le Mexique tendría un autonomía soberana para poder legislar por la gente de medio ambiente de las regiones en los casos en que es la invasión de... Ok, alors est-ce qu'il y a, donc si dans le cas d'une signature de cet accord, est-ce que le Mexique pourra exercer sa souveraineté pour mettre en place des lois, pour légiférer afin de protéger son environnement et ses droits humains dans le cas où les investissements européens, les entreprises européennes présentes sur le territoire du Mexique étaient affectées? Donc c'est une question qui s'adresse particulièrement à Bettina. Et puis la deuxième question, et puis je la donne comme ça, vous pouvez répondre tous les deux. Comment cela se fait-il? Elle est en espagnol également, donc je traduis en direct. Comment cela se fait-il? De quels moyens de pression
Quel est le moyen de pression de ta fuerte sur mon ami? De quoi? Quel est le moyen de pression, excusez-moi, dont dispose l'Union européenne pour faire en sorte que le gouvernement mexicain accepte de signer un accord qui est tellement négatif à ce point pour son peuple, en fait? Comment ça se fait-il? Quel est le moyen de pression dont dispose l'Union européenne qui fait que le Mexique est obligé d'accepter de signer cet accord de libre-échange? Voilà. Merci pour ces deux questions. Je passe la parole à nos deux intervenants qui ont fait la présentation. Peut-être d'abord, Bettina, si vous voulez bien répondre et donner votre avis sur ces deux questions. Muchas gracias, sí. Para empezar con la primera pregunta. Merci beaucoup. Donc, on commence avec la première question. Voyons voir. Une fois cet accord ratifié, pour les traités que le Mexique a déjà signés, il est difficile de protéger les droits humains, de même que l'environnement au Mexique. Mais ceci est également valable pour les pays de l'Union européenne, parce que lorsqu'il y a des investissements, de l'autre côté, il peut y avoir des demandes d'arbitrage contre le pays. Il existe des clauses dans les traités qui disent que l'État devrait toujours avoir un contrôle, mais tant que ceci n'affecte pas le commerce et les investissements qui existent déjà entre ces deux pays. Donc ceci est contradictoire, sans aucun doute. Souvent, de plus, cela dépend de l'interprétation de l'accord, de l'interprétation du tribunal d'arbitrage également, de quelle façon l'accord est lu et compris. Je dirais aussi, juzgando de ejemplos previos que tenemos, il faudrait qu'on voie les exemples qu'on a du passé relatifs à d'autres traités pour voir comment ceci a été traité. Les États européens vont avoir, de même que le Mexique, des gros problèmes avec cet accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, puisque les droits humains et l'environnement n'est pas inclus, n'est pas du tout considéré. En ce qui concerne la deuxième question, je ne sais pas, est-ce que je donne mon opinion ou est-ce que je laisse ceci à mon collègue mexicain? Non, je continue? D'accord. C'est une excellente question qu'on me pose souvent. Donc, je demanderai à Arosso, qui est mexicain, mais il a peut-être une idée un peu plus élaborée que moi. C'est une question que je me pose souvent, ou qu'on me pose souvent, mais je ne trouve jamais une bonne réponse. Bon, suivant la politique du gouvernement d'AMLO, ce sont le type de questions que je me pose, parce que AMLO essaye de faire certaines réformes qui peuvent donc améliorer les conditions du peuple mexicain, mais il a toujours également à faire face à des traités internationaux qui sont déjà signés, par exemple l'accord signé entre le Mexique et les États-Unis. Il y a des investisseurs en termes de pétrole, entre autres, etc., qui sont donc mis en jeu. Et donc les réformes du gouvernement d'AMLO se trouvent ce type d'obstacle. Donc je laisserai plutôt la réponse à cette question à mon compagnon mexicain. Mira, es realmente una tragedia que AMLO no haya querido... C'est une tragédie qu'AMLO n'a pas voulu écouter toutes les critiques qui ont été formulées. Il a essayé d'intervenir pour la non-ratification de cet accord. Et ça a été la même chose pour la deuxième, pour également le traité avec les États-Unis. Mais on n'a jamais pu avoir un dialogue avec lui, hélas. Je pense qu'il faut faire face à des problématiques donc générées par l'accord du libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne. Il y a des mécanismes qui sont à l'échelle internationale et qui, donc, ont plus de pouvoir que les réglementations nationales. Néanmoins, le gouvernement a pris diverses mesures qui sont contre les accords de libre-échange.
Et maintenant, les demandes commencent à arriver. On n'est pas arrivé à la quantité qui était espérée, mais je crois que même le gouvernement mexicain n'est pas prêt à répondre à toutes ces demandes. Ceci est très triste. Pourquoi ceci a-t-il été fait? En réalité, que je crois que si l'accord avec les États-Unis n'aurait pas été ratifié, de même que l'accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, je pense que s'il n'avait pas ratifié ce type d'accord, il aurait eu beaucoup de problèmes. Il aurait eu vraiment des gros problèmes s'il ne les avait pas ratifiés. Le vrai pouvoir est dans le peuple et non dans l'État. Dans la réalité, nous savons tous que le pouvoir appartient au peuple. Voilà pourquoi il y a eu la ratification, ce qui me semble une grosse erreur. Dans le cas de l'accord avec les États-Unis, il y a eu certaines négociations qui ont été ouvertes. Et c'est là que lui, il aurait pu intervenir et demander certaines choses. Mais les modifications n'ont jamais eu lieu. Je pense qu'il y a des grosses limitations connues par le gouvernement d'Amblot qui ne comprend pas ou qui n'a pas voulu comprendre la profondeur des limitations qui sont imposées au propre peuple mexicain. Et aucun mouvement social n'a été donc atteint, ce qui aurait été très important. Eh bien, merci beaucoup. J'ai une question pour le docteur Choregno. Dans le cas de la contamination qui est générée par Lafarge-Holcim dans votre région, est-ce que les victimes ont obtenu réparation et justice? Et si elles n'ont pas obtenu, pourquoi? Docteur Choregno? Est-ce que le docteur, oui, je vois qu'il est toujours connecté. Señor Refugio Choregno, docteur Choregno. En notre région, il n'y a eu aucune réparation de dommages. Il n'y a aucun dommage et intérêt. Parce qu'au niveau fédéral et au niveau étatique, toutes les entreprises sont intéressées par les grands gains. Nous n'intéressons personne. Personne n'est intéressé par les dommages et par notre santé. Ok. Hein? Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à présent, pour les accords de libre-échange, le contenu n'était rendu public qu'une fois qu'ils étaient signés. Est-ce le cas aussi pour cet accord? Cette question s'adresse peut-être à Bettina, je pense. De hecho, están publicados todos los capítulos del acuerdo. Les chapitres sont publiés sur la page de la Commission européenne. Vous trouvez ceci, qu'on les appelle DG Trade, la partie donc dédiée au commerce. Vous pouvez donc trouver tous les chapitres. Et de même que l'accord complet de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, mais seulement en langue anglaise. Car c'est encore dans le processus, dans l'examen juridique formel, il n'y a pas encore des traductions. Les traductions se font lorsqu'on a un document final, donc les révisions ont déjà été faites. Alors là, on peut procéder aux traductions dans les langues officielles de l'Union européenne. En anglais, cet accord est déjà publié depuis longtemps, en fait. Il y a même des annexes qui sont publiées. Il y a également les clés relatives aux accès au marché,
On voit également comment les impôts, par exemple, vont baisser, etc. C'est tout indiqué. Merci beaucoup. Intervenant que nous attendions tout à l'heure, Osvaldo Villegas, je propose de lui donner la parole. Il est le coordinateur national Plan de Ayala Movimiento Nacional à Puebla, Mexico. Et comme je disais tout à l'heure, il représente une des communautés affectées que nous avions visitées dans le cadre du Topsy Tour de décembre 2019. Monsieur Osvaldo Villegas, je vous passe la parole. ¿Qué tal? Buenos días. Antes, yo quisiera aclarar que sí está publicado en México el texto. Je voudrais d'abord clarifier que le texte de l'accord de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne est publié au Mexique. En langue espagnole. Excusez-nous, monsieur Osvaldo Villegas, vous avez été coupé, vous pouvez reprendre. Monsieur Villegas, j'espère que vous êtes toujours. Allez. Allez. Está fallando un poquito la señal. Il y a quelques problèmes de connexion. Donc, je vous salue depuis Puebla. Nous nous trouvons au Mexique. Nous avons ici plusieurs problèmes, comme tout le monde. L'entreprise Audi Volkswagen est l'une des entreprises qui sont en train de nous créer le plus de problèmes, pas seulement en termes d'environnement, mais également d'un point de vue du travail. L'exploitation ou la surexploitation des ressources pour faire des voitures provoque de graves problèmes. Ceci empêche qu'il y ait, par exemple, de la pluie. Ceci crée une dévastation au niveau environnemental incroyable. On a des installations qui sont mises dans la zone des Chiapas, de même que dans le centre de Puebla. Cette entreprise est l'une des entreprises pionnières dans l'utilisation de ces techniques qui sont extrêmement polluantes. Des entreprises comme Driscoll, par exemple, utilisent également ce type de technologie, mais la pionnière, c'était bien l'industrie Audi et Volkswagen. Il y a des dommages incroyables au niveau de l'environnement, il n'y a plus de pluie. Ceci fait qu'il y a des périodes sèches qui durent longtemps et ainsi les agriculteurs ne peuvent plus travailler leurs terres. Ceci également a pour conséquence une surexploitation de la zone. Ceci également génère des conflits sociaux en ce qui concerne l'appropriation des territoires, par exemple. Voilà, ça c'est un autre problème encore. Uni à ceci, malgré tout ceci, l'entreprise Volkswagen ne veut pas prendre ses propres responsabilités. Et en fait, il y a plusieurs entreprises qui leur donnent l'approvisionnement en différentes parties des autos. Ils le font exprès pour ne pas être responsabilisés ou mis en question par la part du gouvernement ou des organisations internationales qui s'occupent, par exemple, de l'environnement. Et en plus, l'État leur donne toutes les facilités pour faciliter leur travail d'exploitation. Ceci est un problème très grave, bien sûr, on l'a dénoncé, mais de plus, on exige que ceci soit arrêté, que la dévastation de la nature et de notre planète arrête dans la zone. C'est un grave problème que nous connaissons au Mexique et surtout à Puebla, où il y a des installations de ce type depuis plusieurs années. Avec Audi, ceci a été installé il y a environ 2 ans. Je vous salue et merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et pour m'avoir invité à ce webinaire. Muchas gracias a usted, señor Villegas. Muchísimas gracias. Merci beaucoup à vous, Seigneur, Monsieur Villegas. Comment on pouvait avoir accès au chapitre, au contenu de l'accord? N'hésitez pas à regarder là dans le chat. Il a été envoyé par Bettina, le lien a été envoyé par Bettina. Je vais prendre une dernière question là qui en fait fera office de conclusion et qui en fait, alors elle est en anglais, c'est assez long donc je vais vous la résumer. Comment c'est possible, je crois que c'est une bonne conclusion, hein, comment est-ce possible que ces transnationales aient autant de pouvoir
Comment est-ce possible que de tels accords de libre-échange soient en place, alors même que les inconvénients, les problèmes qui sont posés sont manifestes? Et surtout, comment faire pour changer ça? Bettina, peut-être à vous d'abord. Muchas gracias, sí. Merci beaucoup. Voyons voir, comment est-ce possible? Je crois que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup d'intérêts. De la part de certains politiciens et d'entreprises, il y a trop d'intérêts en jeu. Et parce qu'il y a de plus une idéologie qui maintient en fait cette idée qu'à travers le libre-échange, à travers la libéralisation du commerce, parce qu'en fait, il n'y a rien de libre, sinon ça serait différent. Donc on croit qu'à travers le libre-échange, on arrive au bien-être des peuples. On pense que les conditions du peuple est améliorée, mais on sait très bien à travers des études, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Même l'Union européenne est en train de faire des recherches qui démontrent que la qualité de la vie des personnes locales n'ont pas eu une vie améliorée. Ces accords n'ont pas du tout amélioré la vie des personnes concernées. Par exemple, il y a eu l'accord avec la Colombie et l'Équateur, d'autres accords qui ont été faits avec des pays de la région d'Amérique latine. On voit qu'il n'y a pas eu d'amélioration ni des droits humains, ni des revenus des personnes locales, ni de l'environnement local non plus. Donc, c'est des facteurs qui font qu'en réalité, on maintient ce type d'accord, on garde ce type d'accord avec des toutes petites réformes. Parce que, par exemple, ce qu'on considère comme des possibilités, lorsqu'on parle de chapitres, d'inclure des chapitres de durabilité, il y a très peu de changements qui sont faits. C'est comme une façade et on continue toujours avec la même politique. Je crois qu'il est vraiment important de changer ce type de politique et changer les mandats également. Lorsqu'on parle de la création, de créer un autre commerce entre les pays, c'est de ça qu'on parle. On parle de changer les règles du jeu, en fait, pour qu'il y ait un commerce réellement juste, réellement équitable, qui puisse tenir en compte les besoins des peuples et également de l'environnement. C'est pas ce qui se passe, hélas, actuellement. Merci beaucoup. Est-ce que le senior, le docteur Chorregno, vous voulez dire un mot de conclusion? Bon, je vous propose. Ah, si, allez-y, monsieur. Pues, yo quiero decir que. Je voudrais dire que les grands impacts qu'il y a dans notre pays pour notre santé et pour l'environnement sont tellement horribles qu'on tarderait beaucoup d'années pour réhabiliter notre région, nos régions qui ont souffert de ces enfers environnementaux. Hélas, on n'a pas l'appui d'aucune autorité. Le gouvernement se vend aux grands capitaux et se désintéresse totalement des communautés qu'il devrait représenter. Au niveau étatique, c'est la même chose. Au niveau fédéral également, on n'a rien à dire de différent. Il y a eu une réaffirmation ici des génocides dans nos pays, surtout dans ces régions d'urgence environnementale. Merci. Eh bien, merci, un grand merci à tous et toutes, à tous les intervenants et toutes les intervenantes. Je crois qu'on a bien vu à travers vos interventions à quel point c'était une absurdité, ces accords de libre-échange et cet accord de libre-échange, tel qu'il existe déjà depuis 2000. Alors, une absurdité encore plus
dans le cadre de cette modernisation, de cet accord qui arrive, une absurdité économique, une absurdité parce que c'est un désastre pour l'environnement, pour la santé, pour l'emploi, vous l'avez bien montré avec vos interventions, dans un contexte où la pandémie de Covid-19 nous montre l'absurdité, encore plus qu'elle n'était claire avant le Covid, elle devient d'autant plus claire, l'absurdité de ces accords de libre-échange et la nécessité de relocaliser la production, de relocaliser les commerces, de prendre en compte la santé des gens plus que jamais. Et puis, je crois que ce webinaire nous a montré l'importance de construire des coalitions, justement, des coalitions les plus larges possibles entre les acteurs de la société civile, entre les organisations qui sont des organisations environnementales, des organisations qui luttent pour la santé, pour l'emploi, des organisations de ce côté-ci de l'Atlantique en Europe, mais également au Mexique. Et je crois que vous pouvez compter sur nous au Parlement européen pour aider, prendre notre part dans cette grande coalition et que ce sera la seule, je pense, à même de faire valoir l'intérêt général et de montrer l'absurdité de ces accords. On a encore plus d'arguments que peut-être qu'à l'époque où on avait fait le Toxitour en 2019, hein, où on était avant la pandémie. On a d'autant plus d'arguments maintenant. Comptez sur nous pour être aux côtés, donc évidemment, du Transnational Institute. Je remercie encore une fois les interprètes et surtout Monica Vargas pour son implication, pour l'organisation de cet événement. Un grand merci, Monica, un grand merci à toutes et tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou de journée en fonction de où vous êtes du côté de l'Atlantique. Et puis, j'espère que ce webinaire marque une étape, mais qui est loin d'être terminée, dans le combat contre l'absurdité de cet accord de libre-échange. Merci à tous, au revoir.